Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Une Point Petit Pierre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un petit haul donc du magasin Action. Donc Action, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin en fait où il y a plein de petits trucs pas chers. Et honnêtement, je crois que c'est le magasin où j'ai mis le plus d'argent de toute ma vie en si peu de temps en fait, parce que j'ai clairement connu ça genre il y a à peu près un an. Et pour tout vous dire, j'y ai claqué plus de 1000 euros, c'est une certitude en fait. Parce que tout simplement aujourd'hui par exemple j'y suis allée et j'ai dépensé plus de 80 euros dans cette boutique. Donc bon, en fait si vous voulez, moi je suis dans le magasin, je me sers en fait sans regarder les prix. Donc bon, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits bons petits plans, de bonnes petites choses sympatoches et tout ça. Du coup je vais vous faire partager un petit peu tout ce que j'ai pris. Puis voilà, c'est tout. Donc vous allez pouvoir quand même apercevoir que dans cette vidéo, mon intro est tournée le soir avec cette tête, et que la journée c'était une autre tenue, etc. Pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a eu un souci avec l'intro que j'avais faite, donc j'avais la même tête que dans la vidéo. Du coup je n'ai pas pu l'assembler, mais bref c'est tout. Du coup sans trop tarder, on va commencer de ce côté. Tout d'abord j'ai pris... Attendez, je vais sortir le ticket de caisse genre pour vous dire les prix et tout, parce que c'est, je sais pas, ça peut être grave intéressant que je vous donne les prix. C'est pas lui. Alors mon ticket, il est genre, je crois que j'ai jamais eu un ticket de caisse aussi long. Non, j'en ai déjà eu des plus longs. Du coup, oh punaise, non, je vais aller dans l'ordre en fait de mon ticket de caisse. J'ai pris ça, donc c'est un, je sais pas, genre ça peut servir de plein de choses en fait, de récipients, etc. Donc en fait genre c'est un petit plateau comme ça avec les bords dorés, je crois que c'est doré, je crois que c'est pas argenté, je sais plus, avec le fond comme ça un peu en velours, en poil vert comme ça. Et en fait j'ai pris pour mettre mes bijoux, mes petites brumes et tout, genre ça peut faire grave beau, genre je vous montrerai en fait. Et du coup voilà, donc j'ai payé ça 1,99€, donc franchement pour le prix. En fait, vous savez, moi, dans Action, genre, je passe, je prends ce qui me plaît, en fait, je fais même pas attention au prix. Et c'est au moment de la caisse, je vois les nombres défiler et tout, là. Wouah ! C'est une catastrophe. Ensuite, j'ai pris l'œuvre en cadre en bois. Alors, les cadres, ils sont là. Ah, c'est ceux-là. Pour une fois, ça faisait un bail que je voulais des cadres et j'en avais jamais pris. Je viens de me rendre compte que j'ai même pas pris le bon format en plus de ça. Mais franchement, mais... J'ai pris deux cadres blancs, ce sont des basiques, donc de taille 13 x 18, il me fallait des 11 x 14, donc bonne nouvelle. Ça va que les photos elles passent à l'intérieur, genre vous voyez il y a les bords blancs, donc je ferai pareil. Et du coup l'unité je l'ai payé 1€, donc 99 centimes, et il y en avait de toutes les couleurs, et moi j'ai pris blanc. Et puis pour aller avec ça, j'ai pris, alors attendez, je sais pas où est-ce qu'il se trouve celui-ci. Je sais pas, mais je sais pas le prix parce que là je le vois pas. J'ai pris un cadre comme ça, donc il est un peu spécial, genre en mode on dirait il y a des bulles et tout autour en argent. Non, en doré, pardon. Et donc ça je crois que je l'ai payé, genre je l'ai payé plus cher quand même, j'ai dû le payer 2€ je crois. Je le trouve pas dans le truc. Non, je le trouve pas. Mais bon voilà, du coup en fait c'est pour aller avec ces deux-là, vu que j'ai plein de photos en fait. Bah genre je voulais faire un truc pour une fois et puis si ça me plaît j'irai en rechercher, mais cette fois c'est de la bonne taille. Ensuite, j'ai pris... Ah non, bah c'est bon, il est là en fait. Je l'ai payé 1,65€. Ensuite, j'ai pris des rubans adhésifs. Donc, j'en ai pris deux. En fait, c'est tout simplement du scotch parce que les scotch de Action, ils coûtent rien. Ils coûtent 65 centimes et ils sont géniaux. Enfin, ce sont des scotch en fait. Et il n'y a que là où je les trouve le moins cher. Et du coup, j'en ai pris deux pour être sûre. Du coup, voilà. Après ça, j'ai pris planche photo individuelle. Planche photo individuelle. Ah, c'est ça les gars. Les girls, les boys. C'est ça. Donc, je les avais vus chez Ikea. Genre, ce sont des étagères en fait. Noires. Genre, vous les fixez là. Et en fait, genre, il y a ça d'espace. En fait, j'ai trouvé chez Ikea pour genre 7 ou 8€.
Bah là, chez Axor, c'était à 4,99€. Du coup, j'en ai pris deux. Et voilà, donc voilà. Genre, sur l'image, vous voyez, en gros, ça donne ça, en fait. Franchement, je sens que ma vidéo, ça va être une catastrophe. Je bouge dans tous les sens. Enfin bref, je suis très contente de mes achats. Reste à savoir où est-ce que je vais les mettre et qu'est-ce que je vais mettre dessus. Mais moi, les étagères, j'en ai jamais trop. Ensuite, j'ai pris une housse légère articulée. Ah, c'est ça! C'est ça! En fait, ma housse de couette, enfin, ma housse de drap, genre, elle est toute craquée sur les bords. Genre, je vais pas vous montrer parce que c'est une catastrophe, mais vous savez, les bouts du matelas, ils sont ronds. Bah, c'est tout craqué, genre, on voit le matelas. Il était blanc, en plus, il était vraiment en mauvais état. Du coup, j'en ai pris un blanc, basique. Je l'ai payé 4,99€. Et j'ai toujours pas pris. J'ai un grand souci dans ma tête, franchement. Et j'ai toujours pas pris la bonne taille. Donc c'est du 180 x 200 cm. Alors que le mien c'est un 160. C'est pas grave. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris bloc mémo support. Donc j'ai pris ça. Donc ce sont des. Enfin, je crois que c'est ça. Je sais pas, bref. J'ai pris ça. Donc c'est un truc avec plein de post-it et le truc en plastique. Parce que tout simplement, je marque. Tout le temps des trucs. Et du coup, bah, pour moi, c'était primordial. En plus, ça faisait un moment que j'y cherchais. J'ai payé ça 2€. Ensuite, j'ai pris... Je vais plus regarder le ticket parce que sinon, on va perdre trop de temps. Ensuite, j'ai pris cette brume que j'ai payée aux alentours des 3€. Elle sent trop bon. C'est une nouvelle... gamme. Enfin, une nouvelle senteur. Elle sent trop bon. Même, j'aime trop le packaging, genre. Ensuite, je me suis pris un petit déo habit Nivea. Genre Soft Touch... 48 heures protection, habit. Ensuite, pour mon chat, j'ai pris un paquet de croquettes Whiskas. Voilà, c'est tout. Je lui ai pris ses petits bonbons préférés, bien évidemment. Ensuite, j'ai trouvé ça chez Action, justement. C'est une serviette en coton, en fibre et tout. Genre à 99 centimes, j'ai trouvé ça pour le visage. Donc, je m'en servirai essentiellement pour le visage. Et genre, c'est comme un gant, genre, on peut s'en servir. On met les doigts dedans et tout. Du coup, je voulais tester pour le prix. Ensuite, j'ai pris des pinces comme ça, noir basique. Je crois que j'ai payé ça 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un eyeliner de chez Action. Genre, c'est un pot et un pinceau. Je voulais tester pour voir ce que ça donnait. J'ai dû payer ça genre 2€. Ensuite, honnêtement, je suis passée dans le rayon. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je cherche toujours pourquoi j'y ai pris. Je sais pas. J'ai pris des enveloppes. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Peut-être pour écrire des lettres à je sais pas qui, à des amis. Je sais. Mais non, je suis pas comme ça. Je sais pas. Du coup, j'ai des enveloppes, j'ai dû payer genre les grosses 1€ et celle-ci genre 59 centimes, un truc dans le genre. Enfin, cela dit, c'est toujours pas cher. Ensuite, je me suis pris des sous-vêtements, des culottes, des boxers plutôt. Donc, j'ai pris en M et en S. Toujours Léa la guignole, très clairement. Franchement, voilà quoi. D'ailleurs, les gars, dans mon Action, il y avait un gars avec un masque, il était porteur du coronavirus. Donc, ma phobie. En fait, le pire, c'est pas que si je l'attrape, c'est que ma mère, elle a pas de système immunitaire. Et notre système immunitaire, en fait, à nous, il nous sert à combattre les rhumes et tout. Ma mère, si elle attrape un rhume, elle peut mourir. Donc, si elle attrape le coronavirus, c'est sûr qu'elle meurt. Donc, si je l'attrape et que je refile, enfin. J'ai vraiment très peur. Du coup, bah, je suis pas passée à côté de lui, quoi. Du coup, voilà. Les motifs, ben, je trouve ils sont un peu noirs. Il y a une culotte noire, une couleur. C'est bizarre. Et là, il y a une rose et une comme ça. Enfin, bref, on verra lesquelles qui me vont. Vu que j'ai maigri, peut-être que le S m'ira. Ensuite, pour mon copain, je lui ai pris des slips parce qu'il en avait de moins en moins. Enfin bref, c'est des slips basiques taille M de chez Action. Ensuite, pourquoi j'ai pris ça, je sais pas. Des pansements, il y en a 50, j'ai dû payer ça 1€ ou 2€. Ensuite, pour mon copain, pour son téléphone, je lui ai pris une coque de chez Action pour iPhone XR. Et le problème, c'est que, en fait, je savais pas que c'était pas en silicone, genre c'est une coque dure. Genre on peut mettre des lettres et tout derrière, genre elles sont dedans en fait. Enfin bref. Ensuite je me suis pris un verre trempé de chez Action, je sais pas vraiment ce que ça vaut, j'ai dû payer ça genre 3€. Ensuite j'ai pris un câble d'iPhone, je crois que c'est un... Ouais, yes. J'ai pris un câble, enfin un chargeur parce que le mien, et bah clairement il est mort hier. Ensuite j'ai pris deux petites bougies. En fait j'en avais pris une troisième, c'était énorme, genre elle était beaucoup plus chère, elle était à 5€ je crois. Et en fait... Elle sent rien comme ça, elle. Et en fait, j'ai reposé celle qui sentait quelque chose. J'espère que vraiment qu'elle va sentir quelque chose, genre allumé. Et je vous jure, elle sent rien. Mais j'adore les packaging par contre. Donc, ce seront des pots ou des verres. Genre, j'adore.
On arrive à la fin de ce haul. Ensuite, j'ai pris 3 limes. Bah, pourquoi en fait? Parce que, voilà, je sais pas. Et ensuite, wow, le changement d'humidité. Il y avait une ponceuse chez Action. Donc, moi, j'en ai une qui coûte bien plus cher. Enfin, une pro. Et il me manquait des embouts. Et genre, dedans, il y a les embouts qui me manquaient. Du coup, bah, en fait, je l'ai essentiellement pris pour les embouts. Et puis voilà, donc c'est de la marque Eleganza. Enfin, je sais pas ce que ça vaut en fait. Je verrai bien. Mais voilà, et du coup j'ai payé ça genre 2€. Alors je... Ah non, il me manque ça, j'avais oublié. J'ai pris des petites bannières grises, j'en ai pris 4. Ouais, j'en ai pris 4, 2 et 2. Il y en avait en blanc, noir et en gris. Du coup, bah moi j'ai pris gris. Pourquoi, je sais pas. Le plastique est pas... Enfin, c'est un plastique qui se casse hyper vite, genre, vous voyez. Mais bon, c'est vraiment pour faire du rangement dans mes gros tiroirs que j'ai sous mon lit. C'est vraiment seulement pour le rangement, du coup, bah voilà. Vous aura plu, je compte sur vous pour vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche, vraiment ça me fait super plaisir à chaque fois que je reçois une petite notification là et que ça m'affiche que j'ai un abonné en plus ou autre, franchement ça me fait trop plaisir et d'ailleurs je vous remercie. Je crois que c'est tout, je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram que j'afficherai juste ici ou alors en commentaire, tout simplement. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, sachez que je vous aime fort et que je vous remercie pour tout. Et puis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt !